Hi guys. Today I wrote down my plan and my planner. Honestly, next week alone we have like 50 exams. Wednesday we have a behavioral at home exam. Thursday we have a learning and memory exam. Friday we have a genetics exam, which genetics is one of my biggest worries right now, along with chemistry. Chemistry exam is on the 28th, but we're getting started early because I really need to pass this exam. My grade depends on it. So it's time to buckle up. But to make this video more interesting, I'm gonna try to do something. You ready? Aujourd'hui, je vais essayer de parler en français pendant que j'ai étudié pour cette vidéo. Disclaimer, je vais faire beaucoup de mistakes. Je vais chercher beaucoup de vocabulaire sur mon portable parce que j'ai un dictionnaire pour français. Ça s'appelle Lingui. Mais cette app, c'est une app pour français, espagnol et autres langues. Et j'aime cette app parce que c'est une app qui donne plusieurs exemples et j'aime ça. Mais maintenant, j'ai besoin de commencer à étudier. Oui, je vais parler un peu d'anglais aussi parce que je suis un beginner. Je suis en train pour entraîner en français, mais je vais chercher sur le dictionnaire aussi et écrire sur les camps pour tout le monde. Ah, maintenant, on y va commencer. Je vais lire chapitre 5. J'ai déjà fait les notes pour chapitre 5 parce que j'ai allé en classe, mais je vais écrire plus de notes pour les examens. Je vais taper les notes parce que je vais utiliser mon note pour les examens. Tu peux utiliser les notes pour cet examen. Merci à notre professeur. Tu comprends? Je ne sais pas. Penser, c'est vraiment difficile pour moi. C'est une histoire vraiment intéressante. Je pensais que j'ai expliqué cette histoire déjà, mais je vais expliquer encore dans cette vidéo pour les gens qui connaissent pas. Chapter 5. J'ai besoin de parler et écrire en même l'air. On y va, on commence avec l'histoire. Mais l'histoire pour français, c'est intéressant parce que j'ai commencé à apprendre français depuis j'étais 6 ans. J'ai commencé à apprendre français et ma tante aidait moi avec livres, avec CD, avec musique, toutes les choses. Mais je comprends le français, je comprends les mots, je comprends les significations des shows, musique, YouTube, vidéo, je comprends tout. Mais quand j'ai besoin de parler, vraiment difficile parce que j'ai mélangé créole avec français. La grammaire pour moi, c'est une chose qui est vraiment difficile. À maintenant, j'ai toujours à étudier. Je sais le vocabulaire quand j'étendais le vocabulaire. Quelquefois, quand j'ai besoin de dire le vocabulaire, je ne peux pas dire. J'ai besoin d'arrêter de parler et écrire les notes. Écrire les notes avec moi. J'ai besoin de plusieurs couleurs quand je prends les notes parce que je n'aime pas une seule couleur sur mon note. C'est vraiment ennuyant pour moi. Je ne peux lire quand c'est une seule couleur. Oui, j'ai besoin de croire de moi. Croyez-moi. Sourcils, oui. J'ai fait mon sourcil aujourd'hui. Je vais faire les teintes pour mon sourcil. Je ne sais comment, mais je vais faire. J'ai fait ça en 30 minutes, 35 minutes, je ne sais pas, mais beaucoup de temps. Je n'ai de beaucoup de temps pour faire mon maquillage chaque matin. Vraiment fatigant. C'est juste spécialement. Quand j'ai fini l'école 10 mai, au mercredi, j'ai fini l'école, mais la semaine prochaine, j'ai tout mon examen final. Au final examen. Si tu ne savais pas, je vais poster chaque semaine, des fois par semaine. Oh, cette semaine déjà difficile parce que j'ai fait une vidéo mercredi. Quand j'ai commencé à éditer cette vidéo, je n'aime pas. Donc, j'ai à faire cette vidéo aujourd'hui et j'aime cette vidéo plus. Tout le monde dans les commentaires dit comment ta journée est passée. Mon journée c'était ok. J'ai allé à l'école, j'ai commencé l'école à 9h, j'ai terminé l'école à 10h. J'ai fait une heure de temps dans le trafic pour retourner à ma maison. J'ai utilisé les toilettes et après les toilettes, j'ai pris des bains aussi parce que j'étais vraiment chaud. Et après, j'ai commencé à travailler à ma maison. J'ai fini le travail à ma maison et j'ai commencé cette vidéo. C'est magique. Aujourd'hui, c'est 90 degrés dans mon partie des États-Unis. Nous sommes vraiment chauds. Soleil, vraiment chaud. Je suis vraiment chaud. Je suis vraiment femme. Mais les musiques sauvaient moi.
1 hour later. Ok, pour le moment, je vais arrêter là. Je vais commencer un autre sujet. Je suis un peu faim. Je suis soif. Je vais commencer avec genetics. Qu'est-ce que tu penses? Oui? Oui. On y va. Pour genetics, j'ai étudié beaucoup pour lui. J'ai fait 2 semaines que j'ai étudié pour les passer examen, mais j'ai pas fait bien sur cet examen. Je vais regarder mon note que j'ai fait dans la classe aujourd'hui et je vais regarder Amoeba Sisters pour comprendre cette chose intéressante. Tu allais à l'université, tu penses que tu vas apprendre beaucoup de choses dans la classe, mais beaucoup de professeurs ne pas expliquer les choses bien. Mon professeur de behavioral neuroscience, j'aime beaucoup. Mon professeur de perception aussi fait les notes vraiment intéressantes et je peux comprendre les notes, mais autre professeur pas même. Cette professeur fait les notes vraiment confusing. Déroutant. Déroutant pour moi. Vraiment déroutant. Ce genre de choses, j'ai besoin d'étudier. Je vais regarder les notes sur mon ordinateur, laptop, je ne sais pas. Chapitre 13, Genetic Code and Transcription. The mRNA, and that means that it's going to kind of read it and put together the corresponding polypeptide chain. My eyes! My eyes! Vraiment drôle. J'ai besoin d'utiliser autre vocabulaire. Vraiment drôle. Drôle. On étudie à l'université, mais j'ai toujours aimé regarder les animations, cartoons. C'est une chose que j'aime regarder beaucoup. J'aime regarder The Cleveland Show, SpongeBob, Family Guy, Inside Job sur Netflix, Big Mouth aussi. Et autres choses, mais cette animation, c'est mon animation favorite, préférée. Et oui. Shout out to the Amoeba Sisters for making me understand this topic better than my professor, bro. Les Amoeba Sisters, merci pour cette vidéo et pour tout Chanel parce que j'ai compris ce topic dans 7 minutes. Dans 7 minutes, plus de 3 classes nous faire sur ce topic. Oh là là, j'ai besoin de faire beaucoup de practice pour cet examen. Et après, je ne sais pas. Oh, mon mère. I'm alive. I'm hungry. Ma mère, je vais avoir un corps pour acheter manger. Quand nous vraiment fatigués, nous acheter manger et nous faire salade à la maison. Donc, nous manger chicken ou pizza ou autre chose. Et nous manger salé, les légumes, nous manger des légumes avec les. C'est bon pour nous toutes. 20 minutes, je vais chercher les orders. J'ai besoin de faire autre chose aussi. J'ai besoin d'aller à un store. J'ai besoin, comme je dis, j'ai besoin d'acheter quelque chose. Et après, j'ai besoin d'aller chercher ma mère. Et je vais retourner pour faire plus étudier, mais aussi j'ai besoin editing cette vidéo parce que j'ai besoin de mettre cette vidéo dehors samedi. Va vraiment difficile, mais je pense que je peux faire. Après, j'ai fini avec cette vidéo. Je vais planifier une vidéo pour dimanche. Faire cette vidéo, mettre cette vidéo sur YouTube et après, je vais étudier plus aussi. Ah, on y va. Je peux faire. J'ai besoin d'aller chercher les manger et après, j'ai besoin de sortir. À tout à l'heure, tout le monde. I'm gonna miss y'all.